se retrouver pour une nouvelle rencontre dans ce groupe. Dans quelques minutes, la suite du programme sur eSports. Salut à tous, Pierre Ménès est assis à côté de moi, c'est beaucoup mieux que sur moi pour cette troisième journée du FA Champions League. Je me serais bien assis sur toi, mais t'as pas voulu. Hector Bellerin, number 20, Chodran Mustafi, number 5, Socrates, number 31, Saïd Kolasinac, number 8, Aaron Ramsey, number 23, Gani Welbeck. And number 10, Mesut Ozil. Et pour ceux qui ne le savent pas, je précise qu'Hervé Matou a été dans sa jeunesse un grand, enfin par le talent, gardien de but du côté de Clermont, je crois. Oui, c'est ça. Mais bon, ma carrière est suffisamment connue pour que je n'ai pas besoin de m'étaler là-dessus. Voici donc la composition d'Arsenal. L'entraîneur a fait le choix de positionner ses joueurs en 4-5-1 aujourd'hui. Avec une défense à 4, un milieu assez dense à 5 et un seul attaquant de pointe. Voici donc l'équipe visiteuse alignée par l'entraîneur. Alors sans surprise, l'équipe va évoluer en 4-3-3. Un dispositif qui demande de gros efforts aux ailiers. Allez, on a donc rendez-vous avec un match comptant pour la troisième journée de cette phase de groupe, Pierre. Oui, du FA Champions League. Je dis pas ça pour mettre la pression aux joueurs. En plus, je pense pas qu'ils m'entendent, là. Mesut Ozil. Henry Mkhitaryan. Allez, c'est compliqué, Ozil, pour centrer. Le dégagement, on pourrait éloigner le danger. Mkhitaryan. Bellerin. La défense qui maîtrise la situation. Perbé. Un ballon rendu à Arsenal. Scorane, Mustafi. Mkhitaryan. L'arbitre laisse l'avantage à Arsenal. Bellerin. Mkhitaryan qui sera peut-être l'une des clés dans cette partie, Pierre. Deux buts lors de son dernier match, des chiffres qui parlent d'eux-mêmes. C'est évidemment l'un des joueurs à suivre dans cette rencontre. Danny Welbeck. Ouais, c'est pas passé loin. Ça a frôlé la transversale. Ils attendent une ouverture dans la défense. Il choisit la frappe. Ce ballon qui file jusqu'au gardien. Qui va pouvoir relancer son équipe. Les joueurs d'Arsenal sont les grandissimes favoris aujourd'hui. Oh, c'est l'interception. Attention à la frappe. Le gardien qui sort le grand jeu vraiment sur cette action. Allez, il faut s'appliquer sur ce corner car cette équipe risque d'avoir peu d'occasions aujourd'hui.
Allez, le corner est tiré au cœur de la surface. Et cela ne donnera rien du tout. Nini. Ah oui, c'est bien fait ça. Dani Welbeck. Christian Benavente. Ah, il bascule sur l'aile, histoire d'étirer un petit peu le bloc défensif qui est très compact. Anemi. Mkhitaryan. Voilà, ça c'est une récupération sans effort pour l'adversaire. Et Sokratis qui préfère dégager. Ah non, il rend le ballon à l'adversaire là. On s'approche du but. Interception. Il n'y a pas beaucoup d'espace. Hein. Mesut Ozil. Dani Welbeck. Mkhitaryan. Aaron Ramsey. Interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Et le gardien qui dégage ce ballon. Mesut Ozil. Nini. Aaron Ramsey. Mesut Ozil. Mesut Ozil qui a quitté l'Allemagne en 2010. Il est parti pour faire du tourisme. Ouais, le bel appel, il l'a vu, Mkhitaryan. Oh, le bel arrêt, ouais, excellent. Très, très bon arrêt là du gardien à bout portant. Ouais, il fallait le faire. Allez, pleine surface. Aubameyang. Une tête pas assez appuyée pour vraiment inquiéter le gardien. Pierre-Emerick Aubameyang. Attention, il y a un peu la frappe. Bien repoussée par la défense. Bellerin. C'est le troisième match qui est souvent le dernier, celui qui est fatal pour les petites équipes. Oui, parce que tant que tu as perdu les deux matchs, tu peux encore te dire que tu as un petit espoir. Tu perds le troisième, c'est mort. À noter que le ballon risque de fuser un petit peu parce que la pelouse est détrempée. Hein. Allez, attention sur les prises d'appui aussi. Allez, il faut qu'il lève la tête parce qu'il y a du soutien. Oui, ça circule bien, ils construisent tranquillement. Ozil. Ouais, la frappe était un petit peu optimiste là, voire naïve. Ouais, Sokratis qui préfère dégager. En position idéale pour centrer. Ouais, ben l'interception, il est sorti de nulle part, il a jailli. Le soleil. Ouais, la frappe. C'est touché hein, par le défenseur, ce sera un corner. Le corner, le ballon qui arrive au point de pénalty. Et on a dégagé pour écarter le danger. Attention, il peut centrer là.
Bien négocié par la défense, mais ce n'est pas terminé. Attention, il peut être en danger. Il est pris un petit peu, Sokratis. Aaron Ramsey. Kolasinac. Danny Welbeck. Ouais, toujours aussi précis dans ses passes. Ouais, c'est bien donné une fois de plus. Nnini. La passe est mal assurée, c'est une interception. Et la touche, on a vu, le ballon a été dévié. Skodran Mustafi. Nnini. Mesut Ozil. Aaron Ramsey. Mesut Ozil. Mesut Ozil, allemand. Mais bien sûr d'origine turque, vous l'aurez compris. Oui, il est né à Gelsenkirchen, dans le bassin de la Ruhr. Bon, il y a tellement de clubs pro dans la région que c'était à qui il mettrait la main dessus le premier, et c'est Schalke 04 qui a décroché le pompon. Alors que vous voyez que Mesut Özil est vraiment en difficulté, le gaucher allemand aujourd'hui. Il n'est pas dans son match, honnêtement. Par moments, on le voit décrocher, on se demande pourquoi. Et puis dans certaines situations, il évite le travail défensif qu'il devrait aussi faire. C'est dommage parce que en jouant sur ses qualités habituelles, il permettrait peut-être à son équipe de prendre l'avantage dans cette partie. Un ballon rendu à Arsenal. L'arbitre a décompté 3 minutes de temps additionnel. Mesut Ozil. Ouais, l'appel de balle, et il l'a vu, Ozil. Et voilà, il est. L'ouverture du score dans cette rencontre. Et ça, c'est un but qui va tout changer. On attend forcément une réaction du côté d'en face. Mais il va falloir voir comment tout ça va être géré maintenant. On va être vite fixé, Pierre. Arsenal qui marque juste avant la pause. Voilà un but qui fait plaisir à l'entraîneur. Le but encore, mais sous un autre angle cette fois-ci. Arsenal qui est devant au score. Gabi Welbeck. Ah oui, parfaite la récupération. Et voilà, déjà 45 minutes de jouer dans ce match. Un petit but simplement, 1-0. Il a signé une bonne première période, hein, je trouve. Bon, c'est mon avis, Pierre. Vous aurez pensé quoi, vous, de sa performance? Il a donné l'avantage à son équipe juste avant la pause. Ça va le mettre en confiance pour la seconde période. Suite de ce troisième match de la phase de groupe. Et la seconde période qui reprend donc à l'instant. Ils prennent leur temps, ils posent le jeu. Oui, le joueur est bel et bien hors jeu. De peu, mais hors jeu. Aaron Ramsey, Mkhitaryan, Pierre-Emerick Aubameyang. Le soleil. Interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Mkhitaryan. Aaron Ramsey. Pierre-Emerick Aubameyang. Mkhitaryan. Ozil qui prend sa chance. Et le gardien qui remporte son duel. Danny Welbeck. Aubameyang, Mesut Ozil. Oh, ça passe vraiment assez loin du cadre finalement. Bah, c'est un peu normal, Hervé, quand on regarde comment il la joue avec cette désinvolture, je vois pas comment ça pouvait inquiéter le gardien.
En tout cas, ce but reflète la nette domination de cette équipe en termes d'occasion. Quand tu es à ce point supérieur techniquement, pas de secret. Le réalisateur qui nous remontre ce but. L'entraîneur qui a du mal à cacher sa satisfaction sur le banc de touche. Ses joueurs dominent le match de la tête et des épaules. Ils accentuent leur avance. Le score qui est désormais de 2-0. Number 10, Mesut Özil. Le soleil. Non, non, on a compris l'intention, mais c'est un adversaire qui récupère. Pierre-Emerick Aubameyang. Aaron Ramsey. Ouais, le bel appel, il l'a vu, Mkhitaryan. Oh, le but, il est signé Mesut Özil. Comme quoi, il fait marquer, mais il marque aussi. Eh bien oui, c'est son deuxième but personnel aujourd'hui. On va peut-être mieux voir ce qui s'est passé. L'entraîneur qui boit du petit lait en ce moment. Il y a des matchs comme ça où tout semble vous réussir. Il semble prendre un avantage quasi décisif. Number 10, Mesut Özil. Perbé. Ouais, il a du soutien. Le ballon est perdu pour tout le monde là. Aaron Ramsey. Mesut Özil. Mesut Özil. Les joueurs qui se passent le ballon dans leur camp, tranquillement. Nene. Il va donc y avoir un changement au prochain arrêt de jeu. Le joueur a fini son échauffement, il est prêt. Ils construisent. Allez, attention, c'est dangereux pour Aubameyang. Oh, sur le poteau. Oh, le retourné. Oh, c'est magnifique. Ah, alors ça, toucher le ballon sans parvenir à arrêter, ça arrive à tous les gardiens et ça fait jamais plaisir. Là, ce but. Toujours, mais cette fois-ci avec une autre caméra. Ah, clairement, ce match tourne à leur avantage. Socratis, Aaron Ramsey. Voilà, ça c'est vraiment ce qu'on appelle un ballon offert. Oh, l'interception, il a tout anticipé. Perbé. Oh, il n'a personne pour le gêner dans le couloir. Nene. Attention, il peut centrer là. Ouais, bonne intervention dans le couloir, ballon récupéré. Alors que nous entrons maintenant dans les 20 dernières minutes de cette partie. Allez, peut-être une possibilité de contre-attaque, voyons voir. Mais Socratis qui préfère dégager. Et la voilà la frappe. Il était dans un angle impossible. Mais ça a bien failli rentrer. Ouais, enfin, il a peut-être pas choisi la meilleure solution quand même.
l'entraîneur qui a décidé de faire un changement. À charge maintenant pour le remplaçant de trouver le bon rythme dans ce match. Mkhitaryan. Bellerin. Nene. Le ballon qui passe d'un joueur à l'autre, mais on est loin du but adverse, hein, c'est plutôt tranquille. Ah, la passe n'arrivera pas à destination. Allez, dans le couloir. Ouais, ben, l'interception, il est sorti de nulle part, il a jailli. Dani Welbeck. Il pose son ballon pour ce corner. Allez, petite combinaison sur ce corner. Ouais, la frappe. Attention au poteau, c'est pas fini. Mesut Ozil. Mec Aubameyang, il va peut-être pouvoir marquer. Oh oui, il y est. D'abord, il y a cette belle circulation de balle. Après, le buteur est parfaitement lancé et il n'a plus que le gardien à battre. Il n'y a rien à jeter dans cette action. Et ça fait deux buts, superbe doublé pour lui. Le but encore, mais sous un autre angle cette fois-ci. Ah, le match qui a clairement tourné maintenant. Un favori qui a répondu présent dans ce match. De belle manière, faut le reconnaître. Tout va paraître encore un peu plus facile maintenant. Allez, il y a du monde autour de lui. Il y a peut-être un coup à jouer. Ça circule bien. Ils essaient. Il prend sa chance. Ouais, c'est un corner. Ce ballon a été touché en dernier lieu par le défenseur. Bien frappé ce corner au niveau du point. Oh, la oh, le but peut-être. Oh, cette fois le danger est écarté. C'était une vraie occasion de but. Pas très chanceux sur cette action, vraiment. Ça sentait le but. Le tir. Il va y avoir de l'agitation et du mouvement dans la surface. Il a cherché le point de pénalty sur ce corner. Et le gardien, c'est pas fini. Ah, c'était dangereux. Mais la défense s'est dégagée. Un grand soulagement du gardien. Non, ça ne passe pas. C'est contré par le défenseur. Kolasinac. Encore 6 minutes à jouer avant cette rencontre. Nene. Mesut Ozil. Ils font tourner le ballon, hein, c'est assez fluide. Hein. Ah, et pourquoi? Parce que les joueurs savent se rendre disponibles pour recevoir le ballon. Attention, Edouard Kétia. Oh, quel réflexe! Oh, quelle parade! Magnifique! Et c'était pas évident à cette distance. Ah, il le tire bien, hein, son corner Mkhitaryan. Skoran Mustafi. Massimo Bruno. Nene. Dani Welbeck. Le joueur d'Arsenal qui va obtenir le coup franc.
Il y a un bon coup à jouer sur ce coup franc. En jouant dans la surface, ce sera un bon début. Allez, on va jouer un long ballon. Et on a dégagé pour écarter le danger. Est-ce qu'ils vont le jouer à deux, le corner? Ah, ce corner qui était plus une passe à un partenaire. Et il dégage. Ennemi. Mkhitaryan. Medrine. Peut-être une bonne opportunité. Attention. La passe est mal assurée. C'est une interception. Voilà, c'est fini. Match terminé. Victoire d'Arsenal donc. Tiens, je voudrais qu'on revienne un petit peu sur le match de Pierre-Emerick Aubameyang. Est-ce qu'il a été à la hauteur aujourd'hui pour vous? Très bon match pour lui, avec un doublé. En plus, c'est toute l'équipe qui hausse son niveau de jeu quand il enjambe comme ça. Donc, peut rentrer à la maison avec le sentiment du devoir accompli et du travail bien fait dans l'intérêt collectif.